Est-ce qu'il y a des enfants qui sont malades dans ta classe? Oui. Qui est touche? Oui. Il y a quelqu'un qui touche dans ta classe? Oui. C'est qui? Éléonore, Indira, elle touche. Éléonore, Indira, elle touche? Éléonore, Indira, elle touche. Oh non. Et qui d'autre? Joseph, il touche. Joseph, il touche. Oh non. Ilan, il touche. Tout le monde? Ilan, il touche. Ilan? Oui, oui. C'est un nouveau? Un nouveau. Tout le monde est malade? Oui. Bah super. Et malade. Et c'est qui tes copines? T'as tout mangé? C'est qui tes copines? C'est qui les chéris? Il y en a combien? Oh là là, tu vas te mettre du chocolat partout. Fini la bûche avant de répondre. Hein? Ok? Il est trop marrant, il me raconte tout maintenant. C'est qui les copines à Vito? Bluey. Bluey. On est en train de regarder Bluey. Oui, mon cœur. Et Luna, là-bas, elle fait... La peinture. De la peinture. Oh. Ouais. Je vais t'attraper. Le crocodile, là. Ah, au secours, au secours. Au secours. Crocodile. Oh non, Luna, ça y est, elle me détruit déjà mon coin. Ah, mon amour, elle met la déco Halloween. Et toi, Vito? C'est quoi Halloween? C'est quoi Halloween? C'est Halloween. Tu vas te déguiser en quoi, Vittorio? En chat, en maou. En maou? Et toi, Luna? En quoi tu vas te déguiser, mon cœur? Luna? En mercredi. Oh non, Titi, il a des bobos. Écoute le cœur de Titi. Prends Titi. Il a des bobos? Oh non! Tomates au four, les carottes, les pommes de terre. C'est bon, ma vie? Il mange toutes les carottes, mon cœur. Bon app! Parce que lapin, écoute lapin. Avec Mamika. Écoute le lapin. Depuis longtemps. Loulou, il a peur? Oui. Il nous lit l'histoire. Après, c'est au tour de Luna, ok? Après, c'est toi, c'est là, Lolo. Tu jettes les balles? C'est le concours de dessin? Ouais, le concours de dessin. Non, les deux seront très bien. Bah Vito, c'est un concours de dessin, pas pour dormir.
pas de repos. Hein? Vous cherchez un projet luxueux pour vous et votre famille ou pour un investissement pur? Ketura Réserve est fait pour vous. Une communauté située à Meydan qui vous offre de l'appartement une chambre à la villa en passant par des townhouses. Un havre de paix et de verdure avec sur place une clinique, une crèche, un supermarché, une aire de jeu, un terrain de paddle, de tennis, de basket et même un espace yoga méditation avec en plus de tout ça un terrain pour la course à pied, piscine, spa, conciergerie et voiturier. Un projet totalement meublé et équipé avec un plan de paiement sur 5 ans et une possibilité de payer sur 2 ans après la construction. Vous voyez, tout l'ameublement et l'équipement est luxueux. Le son de votre appartement est contrôlé par une petite tablette et tous les arbres que vous voyez ici sont importés d'Espagne et d'Italie et sont vieux de plus de 2000 ans. Les amis, vous nous posez régulièrement avec Maxime des questions sur la protéine, à quoi ça sert, comment la prendre, quand la prendre, etc. Du coup, on va... Enfin, Maxime, vous avez fait des petites stories il n'y a pas longtemps. Attends, Doudou. Ah ouais? Vous avez fait des petites stories par rapport à ça il n'y a pas longtemps, donc je vais vous les remettre ici. Là maintenant, je vais voir les doses avec vous, comme ça vous allez savoir vraiment les normes qui sont généralisées. Pour quelqu'un qui ne fait pas de sport, le minimum vital, c'est 1 gramme par kilo. Si vous faites 60 kilos, il vous faut 60 grammes minimum. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bon, petite vidéo pour faire le point sur un sujet qui est très très important, que ce soit pour mes abonnés, mais aussi pour les abonnés, surtout les abonnés de Julia. Je vais la taguer, comme ça ils seront informés eux aussi. Vérifiez après avec vos sources, ce que vous voulez, tout ce que je dis comme ça. Voilà, si ça peut mettre fin enfin à des rumeurs, tant mieux, parce qu'il est vraiment temps en 2023 que vous sachiez que la protéine est vitale et essentielle pour tout être humain, que vous soyez sportif ou non. Alors forcément, les sportifs, on promouvoit davantage ce genre de compléments parce que c'est essentiel pour la performance, c'est essentiel pour la construction musculaire. Mais c'est vital pour tout être humain, puisque... Donc on va voir pourquoi, à quoi ça sert la protéine, pourquoi c'est vital pour tout être humain. On va voir ensuite, est-ce que la protéine, ça abîme les reins, parce qu'il y en a vraiment marre de ces rumeurs. Et ensuite, on va voir les différents types de protéines, les substituts protéinés, pourquoi ça existe, pourquoi on vous en parle. Donc déjà, la protéine, on va vraiment commencer par l'essentiel, c'est quoi, à quoi ça sert, parce que vous en êtes là, vous. Vous en êtes là, quand on vous parle de protéines, c'est pour les sportifs. Non, c'est, tout le monde en a besoin, c'est vital et essentiel. Que vous soyez sportif ou non, forcément un sportif a besoin d'un apport journalier en protéines plus haut qu'un sédentaire, mais c'est vital, nous en avons tous besoin. C'est ce qui maintient votre organisme en vie, la protéine. C'est vraiment un élément essentiel de votre nutrition, que vous devez vraiment vous devez en prendre conscience. Quelle qu'en soit la matière, que ce soit de la whey, de la viande, on parle de protéines. Vous, quand on vous parle de protéines, vous pensez de suite à ça. Là, je vous parle de protéines, d'accord? La protéine, elle va avoir un rôle hyper important sur le bon maintien de votre structure. Elle va régénérer vos tissus musculaires, elle va régénérer vos tendons,
Les muscles, vous devez vraiment les alimenter. Vous avez tous des muscles, que vous soyez sportif ou non. C'est ce qui vous permet de marcher, c'est ce qui vous permet de courir, c'est ce qui vous permet de porter vos enfants, porter vos courses. Vous devez vous alimenter de la sorte et vous avez un minimum vital. Je vais vous donner vraiment les chiffres, comme ça, ça va vous aider à savoir si vous êtes dans le juste. Mais si vous êtes en carence de protéines, vous pouvez tomber et avoir plein de risques de maladies. Vous allez vous fragiliser, c'est logique. Puisque ben, vous allez avoir la masse musculaire qui va diminuer et vous allez vous fragiliser. Mais ça n'a pas que ce rôle-là, ça va vous servir aussi en tant que... Ça va vous donner de l'énergie, ça va protéger votre système immunitaire, ça sert de transport de l'oxygène. La protéine, c'est vraiment un élément vital, vous devez en avoir conscience. Donc quelqu'un qui ne fait pas de sport, il doit prendre... Mais ça va couper. Donc là maintenant, je vais voir les doses avec vous, comme ça vous allez savoir vraiment les normes qui sont... généralisé, pour quelqu'un qui ne fait pas de sport, le minimum vital, c'est 1 gramme par kilo. Si vous faites 60 kilos, il vous faut 60 grammes minimum de protéines par jour. C'est pas un steak de 60 grammes, comme je vous avais dit la dernière fois. Un steak de 100 grammes contient à peu près 20-23 grammes de protéines. Donc il va falloir vous bouffer 3 steaks de 100 grammes. Pensez à ça, si vous faites 60 kilos. Pour avoir le minimum, Et on parle, donc forcément, ceux qui veulent un terrain qui est fertile, qui est favorable à l'anabolisme et à la prise de muscle. Donc vous devez tabler sur un apport journalier plus haut en protéines. Donc pour quelqu'un comme moi qui veut prendre du muscle, qui veut entretenir mes muscles, qui veut être en bonne santé, pas avoir de problèmes musculaires, être fort, ben moi je suis sur du 2 grammes, je suis plus sur du 2 grammes par kilo. Donc... comme je fais 100 kilos, bah, je suis plus sur du 200 grammes de protéines par jour. Donc compter, ça commence à faire beaucoup de steaks. Ça ferait un kilo de viande par jour. C'est pour ça qu'on fait appel à des substituts. Mais même une femme qui fait 60 kilos, je pense pas qu'elle se mange 3 steaks par jour. C'est compliqué. Je pense que vous mangez en général un steak à midi et le soir un bout de fromage avec un petit peu de protéines et c'est tout. Au petit-déj, vous êtes en général, vous buvez un café, une biscotte et vous partez au travail. Et même vous n'êtes même pas au minimum. Je parle en plus, le pire, c'est les 3 steaks, c'est le minimum vital. Vous vous rendez compte? Si vous faites 60 kilos et que vous avez des objectifs sportifs et que vous êtes sur du 2 kilos. Imaginez une fille qui fait 60 kilos, si elle est vraiment à la recherche d'objectifs sportifs et qu'elle se dépense physiquement et qu'elle est sur du 2 grammes par kilo, là, ça fait 120 grammes de protéines. Là, ça commence à être difficile à les caser l'apport journalier. Parce que je vous ai dit 3 steaks, là, ça fait 6 steaks. Enfin bref, ça, on va voir après, justement, pour le sujet qui suit. Donc voilà, vous avez compris que sportif, pas sportif, vous devez être entre 1 gramme et 2 grammes par kilo journalier. Et n'oubliez pas, 100 grammes de viande ne fait pas 100 grammes de protéines. Sinon, ça serait très facile à atteindre. 100 grammes de viande, ça fait à peu près entre 20, ça fait 23 grammes de protéines. Donc vous voyez, c'est quand même beaucoup. Voilà. Maintenant, vous avez le sujet clair sur les besoins en protéines. On en a tous besoin. Ça, vous devez vraiment le savoir. C'est vital. On en vient au deuxième sujet qui va de soi. Vous allez me dire, mais oh là là, 6 steaks, 1 kilo, mais toute cette protéine, mais ça abîme les reins. Tu vas te ruiner les reins. Alors sachez les amis, écoutez bien, à l'heure actuelle, il n'y a aucune preuve, aucune étude, aucun papier affirmant que la protéine abîme les reins pour une personne normalement constituée et qui n'est pas prédisposée à des problèmes rénaux. C'est-à-dire qu'une personne qui n'a pas de maladie des reins, il n'y a aucun risque à ce qu'elle mange même trop et plus que ce que je vous ai donné comme... grammes en protéines. Il n'y a rien qui justifie que ça abîme les reins. Les seules personnes qui doivent faire attention, ce sont ceux qui ont une maladie des reins, qui n'ont qu'un rein, qui ont une insuffisance rénale. Mais ces personnes-là, sachez que si elles savent qu'elles sont insuffisantes rénales, elles sont suivies par un docteur et elles leur ont donné leur appel. Et bien que ces personnes-là qui sont malades sont bien au courant, puisqu'elles ont vu des docteurs qui leur ont dit « Attention, la protéine, vous allez devoir en consommer moins qu'une personne normale, puisque vous avez un rang en moins, donc ça fonctionnera moins bien, donc vous allez peut-être manger 50% de moins de protéines qu'une personne normale, mais ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter totalement. »
parce que c'est vital, comme je vous l'ai dit. Donc voilà, il ne faut pas tout confondre. Après, on a des dosages, et voilà, le minimum vital, le grammage favorable pour l'anabolisme, pour la réparation des muscles, vraiment pour avoir un meilleur terrain pour la prise de muscles. Voilà, on a des grammes, mais il n'y a rien qui stipule que même dépasser 2 grammes, 3 grammes, ça va vous abîmer les reins. Voilà, il faut que vous le sachiez. Maintenant, le sujet est clos. Et on en vient au troisième sujet, quand on parle de protéines. Donc on en vient au troisième et dernier sujet, la protéine et ses substituts. Il y en a vraiment marre que quand on vous parle de protéines, vous pensez de suite qu'à ça. Quand on parle de protéines, on parle de toutes les protéines, que ce soit une viande, un poulet, des œufs, des lentilles, ce que vous voulez, du tofu, peu importe. De la whey, une barre protéinée. Protéine égale protéine. On parle de protéines, ok? Voilà. Donc c'est vrai que quand vous voyez quelqu'un de musclé, il vous parle de protéines, vous pensez quoi? Protéines, peau. Ok. C'est comme je vous ai dit, pour atteindre les grammes que je vous ai donnés, c'est compliqué sur une journée. Ça vous ferait vraiment manger beaucoup, beaucoup d'aliments. Donc ces substituts sont une réelle aide pour atteindre votre apport journalier et vos objectifs. Ça, vous devez vraiment en avoir conscience. Il est très important d'arrêter d'avoir une phobie dès que vous voyez un pot et dire « Oh, c'est chimique !» Mais il n'y a rien de chimique, les amis. Il n'y a rien de chimique. Quand vous voyez ça, ou vous voyez des œufs ou une viande, c'est la même chose, c'est de la protéine, ok? Il n'y a rien de chimique. C'est issu du lait de vache. C'est chimique le lait de vache. On extrait la protéine du lait de vache. C'est le même principe d'extraction que le fromage. Vous mangez du fromage, vous adorez ça le fromage. C'est la même chose. On extrait juste la protéine à partir du lait. D'accord? Il n'y a rien de chimique. Ok? Vous devez vraiment vous le dire. C'est juste, c'est de la protéine sous forme de poudre. Ok? Voilà. Vous mangez dans une barre protéinée. Ok, ça ressemble à un Snickers. Et dedans, il y a de la protéine. Et ouais, il y a aussi des cacahuètes, il y a aussi du sucre, il y a aussi du gras. Mais ça contient de la protéine. Vous mangez un Big Mac, vous voyez un Big Mac, là, vous réfléchissez pas. Ah ouais. Et moi aussi, je le dégomme. Je vous le cache pas. Mais je sais que c'est pas sain. Enfin, voilà. Mais c'est pas grave. C'est votre corps, il va l'encaisser. Vous inquiétez pas. Mais venez pas nous casser les bonbons avec un pot qui est ultra contrôlé, etc. À partir de lait de vache. Vous mangez vos bonbons, conservateurs, colorants, tout ce que vous voulez dans tout l'agroalimentaire. Vous avez une liste de compositions comme ça sur tous vos aliments au quotidien. Et là, vous flippez parce que vous voyez de la poudre. Ça me fait vraiment rire. Même les légumes, vous vous dites, c'est bon ces légumes. Mais non, il y a des... À faire cuire et faire revenir tout dans du beurre à outrance, etc. Vous savez, vous pensez que c'est sain. C'est pas ça la nutrition. Vous voyez un Big Mac, là vous réfléchissez pas. Ah ouais. Et moi aussi je le dégomme, je vous le cache pas. Mais je sais que c'est pas sain. Enfin voilà, mais c'est pas grave. C'est votre corps, il va l'encaisser, vous inquiétez pas. Mais venez pas nous casser les bonbons avec un pot qui est ultra contrôlé, etc. À partir de lait de vache. Vous mangez vos bonbons, conservateurs, colorants, tout ce que vous voulez dans tout l'agroalimentaire. Vous avez une liste de compositions comme ça sur tous vos aliments au quotidien. Et là, vous flippez parce que vous voyez de la poudre. Ça me fait vraiment rire. Même les légumes, vous vous dites, c'est bon ces légumes. Mais non, il y a des pesticides, il y a tout ce que vous voulez. D'accord? Donc arrêtez de faire vos flippettes sur autre chose alors que derrière, vous flippez pas. Vous allez au restaurant, le chef cuistot, vous savez ce qu'il vous sert. À faire cuire et faire revenir tout dans du beurre à outrance, etc. Vous savez, vous pensez que c'est sain. C'est pas ça la nutrition. Ah ouais, resto. Ah, c'était de la bonne cuisine. Ah, c'était bon, je me suis régalé. Mais il vous a empoisonné. La vérité, il vous a empoisonné. Et vous dites rien. Donc, ayez conscience de ça. Mais moi, quand je mange au resto, je sais que je vais manger du sale. Je sais que ça va. Voilà. J'en ai conscience, mais je ne vais pas non plus critiquer. J'adore le gras, j'adore le porn food. J'adore. Voilà. Mais je trouve un équilibre. Mais arrêtez de venir casser les bonbons à ceux qui prennent soin d'eux. Est-ce que vous pensez qu'on fait ça
En fait, on fait ça pour rien. En fait, on fait ça parce que c'est, voilà, c'est un effet de mode. Mais non, on est là-dedans, nous. On fait ce qu'il y a de mieux pour pouvoir nous développer musculairement, pour être en bonne santé. C'est pas pour le fun ou pour dire vas-y, achète. Mais non. Donc, vous devez vraiment en avoir conscience. Et comme je viens de vous le dire, la protéine, c'est vital. Voilà, les amis, j'espère que c'est intéressant, que ça vous a donné les informations que vous n'avez pas, que vous êtes allé aussi jusqu'au bout de la vidéo pour en savoir vraiment plus. N'hésitez pas à vérifier après, derrière ce que je vous ai dit. Vous savez, moi, ça abîmerait mon image de vous dire des mensonges. C'est... Voilà, moi, je suis là, je suis athlète professionnel, je suis là pour vous aider. Moi, ma carrière, elle est faite. Pourquoi je vous mentirais sur quoi que ce soit? Le but, c'est de vous aider à obtenir la meilleure version de vous-même, de vous donner des idées pour vous faciliter la vie et pour atteindre vos objectifs. Enfin, voilà, il n'y a pas de bonimenteur ou quoi que ce soit. Ouais, non, je représente une marque de protéines. Ouais, je suis athlète professionnel et je suis fier de la représenter. C'est la marque numéro 1 en Allemagne. Vous pouvez aussi vérifier. C'est des compléments d'une qualité exceptionnelle. Et voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas à vous poser d'autres questions, en fait. Donc, pour ceux qui veulent tester ou faire du stock, je vous rappelle que vous avez une offre sur ESN. Vous avez moins 25% sur les protéines Isoclear, donc les protéines un petit peu plus légères et faciles à digérer. Vous avez moins 20% sur les nouveautés. Et petit bonus, profitez-en jusqu'à demain matin, 10h. Vous avez en plus de tout ça, moins 30% sur les échantillons, moins 30% sur les barres protéinées que j'adore et que tout le monde adore aussi, avec beaucoup, beaucoup de goût, beaucoup de choix. Et la livraison offerte à partir de 25€ d'achat. Tout ça, c'est avec le code PARISIER. C'est sur le lien que je vous mets ici. Il faut bien cliquer sur le lien. 2 le triangle. Triangle là. Bravo, il y en a un autre. Regarde bien. Triangle là. Bravo. Là. Il est où l'ovale? L'ovale là. Bravo. C'est léger. J'ai laissé les cheveux de ton frère. Non. Notre rendez-vous du week-end. Coucou. Tout est prêt. Bah oui. Amour, qu'est-ce qu'il est drôle, cet enfant. Oh non. Oh, quel amour, c'est... Thank you. Ah bah, merci beaucoup, mon cœur. T'es un amour. Fais voir comment t'es jolie. Ma princesse, t'es belle. C'est à maman, chérie. Non, oui. C'est quoi, maman? Oh, c'est gentil. Attends, faut qu'on prenne les fourchettes. Elle m'a dit, maman, mange. Je m'occupe de lui. Petit cœur. Du coup, c'est quasi Luna qui a tout préparé, hein, mon cœur? Oui. Avec Tonton, qu'est-ce qu'il fait, Tonton? Ouais, en fait, tu l'aimes bien parce que lui, il donne que des bonbons.
Hein? Bon, Luna, elle avait mal au pied, du coup. Regardez, maman. C'est quoi ça? Il m'a dit, maman, c'est quoi? C'est des manèges. Oh. Donc ici, vous payez l'entrée et vous avez tous les manèges comme ça. Enfin, je veux dire, vous payez pas le manège. Vous payez juste l'entrée. C'est immense. Toujours à lui apprendre des trucs. Ils m'ont demandé le goûter, ils avaient faim. Regardez ce qu'il nous a préparé, David. Oh my god. C'est David, tu dis merci David. Carotte. Regardez quand on sort du mall, donc c'est le festival City Mall. Ils ont fait un truc à l'extérieur. Et là, il y a l'eau et tout, c'est trop cool. Et là, il va y avoir le spectacle des pyjamas et de Bob l'éponge. Wow, on peut aller jouer. On peut aller jouer. Oui, ma vie. Le petit train. Coucou. Oh, il te dit de venir. Dis j'arrive. Je peux pas vous filmer, il y a trop d'enfants, trop de visages, mais c'est trop drôle. Luna fait les aventures des pyjamas et tout. Il y a les parcours, et là ils ont reproduit comme le dessin animé. Tu peux dessiner et tout, c'est trop cool. Et au moins on est en extérieur, il fait pas trop chaud. Franchement c'est bien. Et donc c'est gratuit, vous avez juste à mettre une application. Et c'est en extérieur, c'est gratuit. PJ Masks go shop, right? Tonight we'll save the day. Yeah. Okay.